Le nap mache a Dieu. La lumière parole. Belle gloire. Concernant présence. Saliti nous va faire. Pour le côté livré. Jean chapitre 4, le quatrième des évangiles, d'une manière chronologique. Nous lisons les versets 23, 24. Jean chapitre 4, les versets 23 au verset 24. Et ensuite, Matthieu chapitre 2, verset 2 et verset 11. Au respect dû à la parole de Dieu, l'Assemblée s'élève. Mais elle vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Souligner, ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Matthieu chapitre 2, verset 11, verset 2 et verset 11. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. L'Église a dit amen. Amen. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adorait.
Ils offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, 1, de l'encens, 3, 2, et de la myrrhe, 3. Merci, mettez-vous. Notre Dieu, notre Père, humblement avec nos yeux fermés, nos têtes courbées, nous voici en ce dernier dimanche du mois de janvier en ta présence. Nous voulons te remercier pour tes grâces infinies, pour ton amour de chaque jour. Merci pour cette implantation qui n'est autre que ton Église. Merci pour cette sublime grâce que tu nous as accordée. Merci pour ce ministère. Merci pour le berger auxiliaire au leadership de cette assemblée. Nous te demandons de nous parler ce matin. Parle à notre âme, parle à notre sentiment, parle pour notre conviction, parle pour notre guérison, parle, Seigneur Dieu, pour notre éternité. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les vrais adorateurs, c'est notre sujet. Les vrais adorateurs, c'est le sujet nous ça. Qui ça sujet a dit? Madame, non? Moi, salue le leadership de l'église, hein? Notre ami, pasteur Joseph Sosten, le corps des ouvriers, le corps Diagona, sont salués. Aussi bien les amis, les membres, les fidèles de cette assemblée et mon cap suivent de près ou de loin par la magie de la technologie, ils sont aussi salués. Les aides à la prédication. Soyez de toute écoute à la voix du Seigneur. Non, constat personnel, moi, gain. Trois éléments qui en activité spirituelle à l'intérieur de l'église de Jésus-Christ ou à l'intérieur des églises évangéliques que qui cernaient avec un pile légèreté. Ma preuve, mon constat personnel, moi, mon constat, m'rive mettre accent à travers pays et même au-delà des frontières, par exemple le pays voisin, m'rive mettre accent sur trois éléments qui en activité spirituelle à l'intérieur de l'église évangélique qui cernait avec un pile légèreté. La première, c'est la prédication. Auprès de vie prédicatoriale, l'église haïtienne est très faible. C'est la première. La deuxième, c'est l'enseignement. Les églises évangéliques haïtiennes, pour une raison, on ne sait pas, n'ont pas intéressé à l'étude de la parole de Dieu. La troisième n'est autre que l'adoration. Donc, ces trois éléments qui sont en activité spirituelle à l'intérieur de l'église de Dieu, pour une raison on ne sait pas, sont cernés avec un pile légèreté. Et je dirais une légèreté chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de l'église, ces éléments sont cernés avec légèreté et cernés par qui ou par quoi? Par les chrétiens. Ce matin, je vous invite à observer avec moi ces deux textes, le texte de l'évangile de Jean
Et ensuite, le texte de Matthieu qui nous parle de la naissance, de l'incarnation de Jésus-Christ. Or, à le croire ou non, frères et sœurs, l'évangile de Jean, c'est pour certaines écoles de pensée, je dis c'est l'évangile de tous. Ou l'évangile de toute classe sociale. On a donné des exemples. Si en Jean chapitre 3, il y avait une rencontre entre Jésus et un homme cultivé qui répond au nom de Nicodème. En Jean chapitre 4, c'est l'histoire d'une pauvre femme. D'où en Jean chapitre 3, c'est l'élite. En Jean chapitre 4, c'est la pauvreté. C'est l'histoire d'une pauvre femme. En s'affaire de lui ou s'affaire de Jésus, en frères et sœurs, s'affaire de Jésus, un homme universel. S'affaire de Jésus, ami de tous. Et c'est pour cela, la Bible nous dit, c'est l'ami des malheureux. J'aime tant ce texte qui est taxé comme étant le texte cathédral de la Bible qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils. D'où Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? Car Dieu a tant aimé les humains. Pas le monde créé, pas le système. D'où il y a trois mondes. Il y a le monde créé, le cosmos. Il y a le monde haï, car ne méprenez le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est le système. Il y a le monde aimé les humains. Car Dieu a tant aimé les humains. D'où en Jean chapitre 4, pour prouver en cet amour, on nous dit qu'il était en voyage avec le collégial, en fatigué de son voyage, il prend repos, bon, puis qui ont taxé historiquement le puits de Jacob. Mais l'église a suivi. Une pauvre femme, vint puiser de l'eau. Le premier mouvement de cette histoire, l'une des histoires la plus pesante du Nouveau Testament, l'hypothénon vers une responsabilité sociale. Une pauvre femme vint puiser de l'eau. C'est fiat vin dans de l'eau. Sans pas poser en sens du texte, ni poter en accusation des autres, à le quoi ou non, garçon haïtien méchant en pile. Et je disais souvent dans ma théologie personnelle, il y a deux bagailles, mon Dieu, pas deux bagailles haïtien. C'est l'église, c'est femme. Nous ne savons pas comment pour nous servir la femme, nous ne savons pas comment pour nous servir mon Dieu dans l'église. Nous très durs envers les femmes. Nous très méchants envers les femmes. Si mon nom finit, fait 14 ans d'études secondaires, dans la faculté, il fait 4 ans et puis il dépose un CV dans le bureau ou mandel pour coucher pour le travail. D'où la méchanceté des hommes haïtiens. Ou mon madame, depuis le matin, qui a bouillé, qui a lavé le passé, il fait tout le bagage, il fait manger. Ou il pêche le dormir dans la nuit. Dis mon Dieu merci deux fois pour moi, parce que je suis témoin de sa misère. Maintenant elle est au Canada, moi je suis en pile misère. On fait 16 petites, 14 petites, bons petites, 2 mauvaises couches, à 6 papas. J'étais toujours dans la tête, moi, maman, je l'étais bousin. Non. Pas scandalisé, mais ça m'approche.
Mais c'est, m'a vient comprendre, l'homme vient un gros l'esprit. Et chaque fois, maman pour une église fait deux trois petites avec l'église à sauver. Et puis pour le sauver, l'autre est obligé de prendre l'autre garçon. Moi-même, maman pile, j'ai prié pour mon Dieu bénir avant de quitter la terre. Et pour mon Dieu te répondre à prier ça, le moment où j'ai quitté Haïti, il y a deux résidences pour te faire choix. Résidence États-Unis et Canada. Et puis, maman me dit, étant donné que mon petit sème les amis, c'est un petit peu habitué, je vais faire choix au Canada au lieu que l'Alcan Milan, un grand sème, qui vit à Miami. Je dis, mon Dieu, merci pour ça parce que madame, ça vaut la peine pour ne pas l'aider. Lui. Je m'a fait moi un deux, l'école là-bas qui a payé. Maman me vend une cabane en bas d'eau. Elle dit tout le monde a dormi à terre pour ens à l'école. Il n'y a pas qu'à sauter dans la tête, tout comme petit. C'est comme petit qui va respecter maman par rapport à son maudit. Je ne suis pas marié avec la première fille que je suis fiancée pour ça seulement parce qu'elle fait mal à maman. Pour ça seulement. Je ne suis pas marié. D'où une pauvre femme vient puiser de l'eau. Pas qu'elle a raconté de madame dans l'eau. Pour fuir à l'eau. Comme si là, madame, qui a boté de l'eau. Pourquoi? Parce que ça, c'est un peu loin avec là. On met un deal. Mais marcher, je ne sais pas qui le fait. On met un deal. Mais marcher, je ne sais pas qui le fait. Et chez la bas qu'on baille puis. Oh, l'histoire, mon dit frère, c'est ça, une pauvre femme vint puiser de l'eau et Jésus est en repos au bord du puits. Et puis, dans son regard paternel et salutaire, il s'est adressé à cette femme. Je reprends. Dans son regard paternel et salutaire, Jésus a adressé avec fille. À la demande accordée à cette femme, il était question de l'eau. Donne-moi à boire. Cette pauvre femme, tenu compte de sa réponse, elle a donné une réponse culturelle. La réponse de la femme est culturelle. Comment faire adresser ou même qui est juif, ne croit pas qu'il y a un rapport entre juif et samaritain. Pas de rapport entre Dominicains et Haïtiens. Pas de rapport entre Français et Canadiens. Pas de rapport entre Chinois et Anglais. Mais de rapport entre deux petites bon Dieu. Comment faire adresser? D'où, avec le regard salutaire, Jésus dit à Fia, si tu es contre qui est-ce qui m'a donné de loi, ou même où tu as fait le requête là, où tu as tourné le requête là, et si tu as tourné le requête là, il t'a boyé de l'eau, à jamais soif encore. D'où, le problème social d'alors, fait fier matérialiser
démarche christologique là. Est-ce qu'au plus grand que Jacob qui va nous puire? Et non seulement lui-même il te servi avec elle, mais son sept-li autour. Ah, l'ignorance. C'est mettre à côté de lui. Ah, l'ignorance qu'on fait, nous fait des gars. Et ça fait faire ça, un exercice de langage. En mesurer soit dit trois fois. Je prie sur ça en pile pour ne pas jamais juger mon. Pour ne pas porter moi en sens des autres. Pour être à pini. Et puis qui pise. Quel est l'état de notre vie? L'apôtre de l'œuvre qui répond au nom de Jacques nous dit que qui es-tu, toi qui juges? Parenthèse sur nous. Maintenant, pour sortir de ce problème social, la femme s'empresse. Bangloa. Maintenant, Jésus peut-être demande salutaire dans une démarche familiale. Je n'ai pas de problème pour Mbaoul. Mais allez chercher mal. La femme a dit vrai. Donc, pour certaines écoles de pensée, ils comprennent que Fia baille Jésus menti. Fia pas baille Jésus menti. Elle a confessé sans savoir. Pas de mari. Jésus répond, il dit, à cela, tu as dit vrai. Car on a passé un plat main déjà. Et on a attaqué l'autre plat main. Ah. En dame dit l'église à matin, l'église que vous avez dirigée avec cet esprit que bon Dieu connaît. Est-ce que les attendez samedi là? Ah, bon Dieu connaît, même là. En pasteur limité de surveillance li. Même les maris ou limité de surveillance li. Même les madames ou limité de surveillance li. Mais bon Dieu connaît. Car nous chantons et nous disons, Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu et tu m'as sondé des cieux. Ou puis je fuis ta science infinie. Éternel roi, tu me suis. Soit que je marche, où je m'arrête, voici Seigneur, tu te tiens près de moi et pour parler quand ma langue s'apprête. Tout mon dessein, le texte nous dit tout mon dessein est déjà devant toi. Ou qu'a menti à professeur, ou qu'a menti à l'État, ou qu'a menti à papa, ou qu'a menti à mamie, ou qu'a menti à Maria, ou qu'a menti à patron, ou qu'a menti à client, ou pas qu'a menti à mon Dieu. À cela, tu as dit vrai. Répétez les vrais adorateurs. Oui, vous passez 5 déjà, et puis vous avez un amour. Waouh. Frères et sœurs, dans le contexte moral, texte là, dans le contexte moral, nous avons dit un bagage que l'église là, l'église du dernier temps, le monde qui a suivi à travers Internet de quelques pays que vous stationnez, tout surprend, même leur servir avec les babous. Tout surprend, même leur servir avec les babous. Tout son volant. Même leur servir avec les babous. Nous demandons combien d'autorités
à travers le monde là qui a servi à bagay bayo volant, il pas pour vous. Mandez combien de monde qui a servi à madame moun, madame, il pas madame, il pas ménage, il pas fiancé, il pas pour tout son prend. Et qui dit l'autre étudiant dans la Bible, ça on est la possession. Vouloir de posséder quelque chose, c'est travail pour faire. Écoutez, dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu, pour moun manger, il faut qu'il travaille. D'où c'est une loi divine. C'est Bible qui dans mon langue qui dit que paresseux pas qu'il doit manger. D'où la pensée de Dieu pour moun manger, il faut qu'il travaille. Nous demandons combien de monde qui ont un auto, c'est volant, c'est volant pour nous. Ou pas de auto pour mon Dieu. C'est pour la société. Demandons combien de monde qui ont un costume sous eux, c'est crime de fait. Ou pas de frère. Ou pour qu'on ait un bel tennis dans le pied, nègre. Non, son tennis de sang. Son monde qui sont tirés, son monde qui sont fichiers. Son monde qui sont tout pissés, son monde qui sont exploités, son monde qui sont dépouillés. Et je pense que dans la société, pour me parler de monde qui a dépouillé les gens, pour me parler de monde qui a fait mon habit social, fait mon travail pas payer, manger courage, manger cher monde. Et l'église du Seigneur, c'est une Adam qui a mangé courage ou après ça, j'étais marre. Et l'offre féministe en Haïti, l'offre commence à 50 ans, il y a une grosse inquiétude. Pour ça, il y a une inquiétude. Parce que t'as l'air après 10, 15, 20 ans, ou pas capable encore. Mais qu'en est-il de l'église ou de conserver? L'église servait avant quand on virait. Après 2, 3 lavés, ou pas capable mettre encore le foot de poso. Ça arrive à la maison de Gédéon. Le peuple d'Israël, brillé, ça Gédéon fait pour lui. Texte l'a dit en Juges chapitre 8. Non seulement il a oublié le papa de Gédéon, mais il a oublié Gédéon et sa maison. L'homme n'a ingrat. Mon cousin, mon pasteur, tu as fait 27 ans de servir l'église. Il a tant de camionnettes, il a demandé, puis il a payé camionnette pour lui. 27 ans de service. Il a tiré comme monde pour payer camionnette pour entrer la Cali. Il a 27 ans de servir l'église. Mais nous sommes en pile, oui. C'est criminel la Bible, nous. D'où la loi de l'honneur, il est gâté, nous. Il y a 18 ans, ma France, il m'a sans l'argent. Quelle promotion ça? Sur 10 promotions, jusqu'où on a payé professeur. Tout le monde allait, venir former, allez, elle fait autour. Venir former, elle fait autour. C'est formation, on te vient prendre. C'est études là, on te vient prendre. Mais institution, tu es là, on va qui bien en vie. Donc, si pas pour mon Dieu dans le ciel, tu as couru déjà. Pas qu'il y ait 17 ans, c'est mettre qu'on l'a quand même, non? Ou un bon exemple, je ne pas 10 étudiants CB qui la caille. Et qui comptent comment ma vivre. Je ne sais pas qui c'est. CB qui deux semaines ouvertes, deux samedis. Il y a un fait peur, tout le monde touche. Ou touche un mois pour deux samedis, ou pas dire frère, comme l'école là, ce n'est pas pour oublier. Comme si vous. Mon cher. Moi, je peux. Si je ne suis pas peur, je peux. Donc nous avons conscience, nous chita sous lui. C'est l'argent. Et tête nous noue. Et des fois, c'est monde nous pèse, oui. Pour nous arriver. Non, on peut pas arriver. Tout ça qui nous met, ce n'est pas travail ou travail fait. C'est pour un cadeau personnel. C'est un bagage bon Dieu. Bah, où pour qu'on possède. Donc maintenant, pour commencer à prêcher, apprendre à posséder des bagages pas. Fiat ou
toujours dans des machines, dans dialogue là, parce que c'est un texte de dialogue. Dans le dialogue là, il mettait un chapeau de prophète sur Jésus. Il dit qu'on est sanitaire. Il met ton propre. N'est-ce pas vrai que tu es prophète? Et pas prophète, il est sauvé, il est sauvé. Maintenant, en dans des marches là, conduire nos éléments importants. Maintenant, si après le faire, ça nous est le monde qui a fait étude texte là, il y a un regard géographique avec Jésus. Il dit Jésus, c'est sous monde ça, oui. Lié d'adoration. Oui. Même les gens acceptent. D'où on fait ça, les théologies. Spéculation. Spéculer. Même les gens acceptent. Même les gens acceptent. Comme si sous monde ça vous montre maladore. La distance nous tue. L'espace nous tue. Trop de sacrifices pour un Dieu sacrificatoire. Trop de sacrifices pour un Dieu d'amour. Trop de sacrifices pour un Dieu éternel. Trop de sacrifices pour un Dieu de la vie. Trop de sacrifices pour un Dieu qui est en train de préparer une éternité pour une église. Et quelle église? Trop de sacrifices. Le service est trop long. Oh, le prédicateur est trop long. Ends, wow. M'appelons même. C'est pas de moi. Et puis, Jésus parle par les filles de Saoul et les vrais adorateurs. Oh, Une entité que l'église s'aimait avec les gentils. En Jean chapitre 4, frères et sœurs, le verset 23 nous dit, mais, conjonction, si vous conjonction, mon qui fait grammaire dit qu'il va y avoir une explication. Mais, l'heure vient. Maintenant, Jésus porte sa présence, sa personne dans une ponctualité en matière d'adoration. Bon, je prends l'autre langage pour qu'on comprenne mieux. Jésus porte son temps, mais les vient d'où c'est moi. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, suivez-moi. Les vrais adorateurs, l'église répète les vrais adorateurs.